Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Pour aujourd'hui, un sujet moins grave que d'habitude, même s'il est objet de frustration pour de nombreuses familles. Nous parlerons donc de vacances d'été. Vous serez nombreux à me dire que les vacances ne sont pas le premier des soucis de millions d'Algériens qui parviennent difficilement à joindre les deux bouts, qui se débattent dans des problèmes autrement plus élémentaires, comme de nourrir leur famille, de faire face aux nombreuses dépenses qui vident leur modeste budget, comme Ramadan, Eid Sghir, Eid Kbir, la rentrée scolaire et autres rendez-vous exigeants qu'ils redoutent. Mais il n'en demeure pas moins que des millions d'autres Algériens, plus ou moins vernis, parviennent à s'offrir des vacances plus ou moins confortables, je dirais. Ainsi, les touristes algériens sont devenus, on le sait, la première clientèle touristique en Tunisie. Mais ils vont aussi au Maroc, en Turquie, en Espagne et même en Grèce. D'autres familles restent en Algérie et se contentent des plages algériennes où les contraintes sont innombrables, depuis le manque d'entretien des lieux de vacances jusqu'à l'accessibilité à certaines plages quasiment privatisées au profit d'une classe relativement aisée. La marge est chaque année plus étroite et les prix plus prohibitifs. À ce rythme, ceux qui pourront s'offrir des vacances vont se réduire en peau de chagrin. Il y a enfin d'autres Algériens, qui se comptent en centaines de milliers, qui viennent de l'étranger vers l'Algérie où ils vivent, le reste du temps, en France par exemple, pour passer quelques semaines dans leur pays d'origine, pour se ressourcer, retrouver leurs parents, profiter un peu du climat. S'ils ont la chance de pouvoir profiter du change monétaire qui leur est très profitable, ils doivent cependant endurer des tracasseries sans fin à la douane, à la PAF avec les compagnies aériennes, et etc., etc. Tout le monde connaît un peu le supplice de Tantale, que subissent chaque année les immigrés qui rentrent au pays en été, et quand ils en reviennent. Et donc voilà, le tourisme en Algérie est un vrai problème. Et l'Algérie est pourtant le pays qui possède les plus grandes capacités touristiques du Maghreb. Mais ce secteur est comme le reste. Le tourisme est un tout, et pas seulement des paysages et un climat. Et donc malheureusement, hormis pour les gens riches, ou la nomenclatura, qui dispose de lieux de villégiature de luxe, privés, le reste du pays ne permet pas d'accueillir des touristes. Nous verrons donc aujourd'hui d'abord une courte vidéo sur certaines parmi les nombreuses difficultés que rencontrent nos immigrés quand ils viennent passer leurs vacances au pays, puis nous vous proposerons deux titres de presse. Al-Watan, vacances d'été, le casse-tête des familles algériennes. Ensuite, Algérie Focus, vacances d'été, le casse-tête des familles algériennes. Avec nous pour en parler, nous aurons Fariz Brixi, Algérien résident en France, et Mohamed Khawani, ingénieur, activiste, résident dans les Émirats arabes. Nous commencerons donc par accueillir Mohamed Khawani, mais avant cela, nous allons donc visionner cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les immigrés qui viennent passer leurs vacances en Algérie, le temps de traitement global d'un passager au niveau des terminaux portuaires passe désormais de 8 à 3 heures. Cette norme a été adoptée dans le but de faciliter les procédures en prévision du rush de l'été. Yasmine Cheib. Selon les statistiques de la Wilaya d'Alger de 2011, le temps d'attente des passagers varie entre 7 et 8 heures au niveau du port d'Alger. Cette situation a engendré des conséquences négatives pour l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. La compagnie a enregistré une forte baisse du trafic des voyageurs. Nous avons convenu de fixer une norme pour tous les ports algériens de 3 heures de traitement maximum par passager, et ce d'une manière obligatoire. Les aéroports ont été renforcés cette année par des unités de sécurité spéciales pour mettre définitivement un terme au phénomène du vol de bagages et d'objets appartenant aux passagers, notamment au niveau de l'aéroport d'Alger.
Nous avons constaté des pratiques négatives relatives au vol de bagages au niveau de l'aéroport d'Alger, dans la mesure où cette pratique a tendance à se dérouler au vu et au su de tout le monde. Cela interpelle tous les services concernés par la question de traitement des bagages. Et pour faciliter le déplacement des membres de la communauté nationale à l'étranger en Algérie, un guide, conseil et info a été mis à leur disposition au niveau des consulats, ports et aéroports. Mohamed Traouani, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie encore une deuxième fois et je tiens encore à insister que je me présente en ma qualité d'un membre du MLC, Mouvement pour la Liberté et le Changement, Inch'Allah. Très bien, parfait. Alors Mohamed, venez de voir cette vidéo, on nous dit qu'il ramène la durée d'attente de 8 heures à 3 heures. En fait, ce n'est pas vrai d'abord. D'abord, 3 heures c'est déjà beaucoup. Attendre 3 heures quand on vient de traverser la Méditerranée. Et en plus, ils n'ont pas réduit du tout. Les gens, quand ils rentrent en masse au pays, attendent beaucoup plus que 8 heures généralement et dans des conditions absolument désastreuses. Vous en savez quelque chose, je crois. C'est tout bonnement et tout simplement risible. Cette politique de désinformation et ces masses médias que nous sommes en train de payer de nos propres poches avec l'argent du contribuable et qui ne font que servir le mensonge à plein nez. Le problème qui se pose, ce n'est même pas le temps, c'est aussi les conditions, c'est la prestation. On dirait qu'en rentrant au pays, on a cette crampe à l'estomac qui nous fait, mais vraiment ça fait mal aux tripes. Pourquoi? Parce que à partir du moment, tout bonnement et tout simplement, ne parlons même pas du comportement de tout ce qui est douane, de tout ce qui est police, de tout ce qui est les conditions d'attente, les lieux d'attente, les prestations par des gens qui sont censés servir en fin de compte le citoyen, mais qui se font au contraire servir par le citoyen. Oui. Et sans foi ni loi, et on n'a pas intérêt à parler droit si on veut à tout prix essayer d'arranger ces choses. Sinon, ah. Oui. On sait ce qui nous attend, quoi. Alors, le monsieur était en train de parler de faire face à la disparition des bagages, c'est-à-dire que c'est devenu tellement systématique, presque banal. Mais il oublie de parler de la corruption au sein de la douane, que les gens doivent payer qui les laissent faire passer ce qu'ils ramènent à leur famille de cadeaux. Il oublie de nous parler des situations sanitaires incroyablement indescriptibles. Toilettes, pas d'eau, des évanouissements qui ne sont pas pris en charge, etc. Est-ce que vous-même, vous avez vécu ces conditions? Je vais vous dire une chose, ça commence bien avant. Ça commence à partir du moment où on fait appel, on se dit en tant qu'expatrié, on se dit que autant payer un voyage, je préfère bénéficier des travailleurs algériens, des compagnies algériennes, mais on est rappelé vite à cette amère vérité qui dit que non, 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 c'est pas vrai. Quand déjà, on voit nos voisins, à combien ils payent leurs billets, leurs voyages, et comment l'État met à leur disposition toutes les facilités pour garder justement ce lien, pour garder ce contact. Et nous, au contraire, tout est fait pour dissuader l'Algérien de rentrer chez lui, d'une part. Une deuxième part, imaginez, vous êtes avec des bébés, et puis que l'hôtesse de l'air vous dit, on n'a pas de siège bébé. Oui. Oui. Imaginez... Encore, quelqu'un qui voyage de France en Algérie, il va faire, on va dire, une heure et demie de route. Imaginez quelqu'un qui fait le voyage des Émirats, par exemple, en Algérie, il y a 7 heures de route. Oui, de vol. Un bébé oui. qui risque de tomber tout bonnement et tout simplement malade à cause de ce voyage. Une fois arrivé, là, c'est bon, on est dans une jungle où on est à la disposition... de l'employé, qu'il soit douanier ou autre. Et quand il ouvre les bagages, il décide de prendre quelque chose et il le prend. On n'a pas d'avis à émettre là-dessus. Il se sert, quoi. Il se sert. Vous avez apporté beaucoup de choses en ça. Je vais vous alléger d'une pièce ou deux. Comme ça, carrément. Et si jamais vous dites non, alors? Si jamais il y aura toujours, l'administration, elle aura toujours le dernier mot.
Voilà. Soit ils vous surtaxent, soit ils vous font des problèmes, vous pouvez Exactement. attendre. Donc, quand on est en famille, généralement, on est fatigué, on est épuisé, avec déjà un certain type de comportement du personnel de bord qui réellement, il est à la limite de l'humain. Et c'est des choses qui vous marquent. Et en plus, on veut à tout prix l'image qu'on est en train de donner à nos enfants. Parce qu'on veut les faire rattacher à ce pays, leur rappeler que vous êtes algérien avant tout. Eh bien, si c'est comme ça qu'on leur rappelle qu'ils sont algériens, la prochaine fois, à partir du moment où on dit on va en Algérie, eh ben, c'est tout le monde qui crispe. Oui. Les enfants les premiers. Oui. Restez avec nous, Mohamed. Restez avec nous. Oui. Nous allons accueillir maintenant Fariz Bariksi. Comme par hasard, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Mohamed Khawani, je n'ai pas fait exprès, j'ai pris d'autres lemseniens. Ce n'est pas de ma faute. Ça tombe toujours sur Bonjour eux. Monsieur Chenouf, bonjour Jamel. Bonsoir Fariz. Et je voudrais aussi saluer mon compatriote Mohamed que vous avez aussi Oui, votre invité. compatriote et votre Wild-Bled. Je n'ai pas fait exprès de vous Exactement. choisir de la même ville, hein, je vous jure. Exactement, exactement. Et on partage Ouais. pas mal d'analyses ensemble d'ailleurs. Alors, dites-moi, Fariz, dites-moi, quand vous Écoute. rentrez avec votre famille en Algérie, les conditions d'accueil là-bas? D'accord. Bah écoute, d'abord il faut que je dise une chose, c'est que lorsqu'on était célibataire, on pouvait se permettre 2 à 3 fois un Paris, Tlemcen ou Oran. Maintenant qu'on est, enfin, ceux qui sont mariés, ils ont des enfants, donc on ne peut plus faire ces voyages malheureusement pour voir nos proches, nos familles et nos amis et notre pays. Donc le prix exorbitant nous pénalise pour rentrer chez nous. Comme on est algérien et on connaît le système, on fait fi de plusieurs choses. Comme il a dit Mohamed, arriver à l'accueil en Algérie, après 2 heures et demie de vol, surtout pour les petits ou pour les plus âgés, c'est éprouvant. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend que la facilité d'accueil se fasse en bonne intelligence. Oui. Ne serait-ce que prendre en charge ceux qui sont fatigués, donc les toilettes, les papiers, parce qu'il faut remplir une fiche, donc on n'a pas de stylo, il faut savoir, il y a des gens qui profitent pour te taxer. C'est-à-dire, on remplit la fiche, donc il y a un moyen d'argent. Ensuite, le manque on fait de 3 à 4 files d'attente avec un seul papiste, donc il te regarde avec des yeux, on dirait que t'es pas algérien, tu te rôles en ennemi. C'est minimum 5 minutes par voyageur, donc lorsqu'on a 200 ou 180, il faut multiplier par le temps. Et au bout de fil, on a envie juste de sortir de l'aéroport. C'est-à-dire, déjà, on ne sent pas l'accueil. Tu rentres chez toi, tu n'es pas content déjà à l'accueil. Le seul sourire de la famille, le sourire des proches, c'est ça qui va compenser le prix, le voyage, etc. Parce que, en fait, on ne rentre pas en vacances. C'est un faux non, je dirais, monsieur Jamel. Ce n'est pas des vacances. On rentre voir notre famille. C'est plus un lien affectif et un lien pour que les enfants réapprennent ce que c'est leur pays. Et on vient s'approprier la mémoire de notre pays qu'on a laissé, qu'on veut toujours qu'il soit bien. Donc on ne vient pas pour faire du ski, faire de l'escalade, faire de la plongée, parce que ça n'existe pas. Ou là pour les non-dits. Un dîmakash. C'est-à-dire que là, on rentre pour le lieu, comme un pèlerinage, au fait. Mais donc Et aussi. vous Pardon. attendez dès le départ, quand vous y allez, vous avez la certitude que vous allez passer par un cap très difficile qui est celui de l'accueil par les douanes et la PAF algérienne. Monsieur Mohamed a bien résumé, il a dit une sorte de crampe et un nœud qui est à l'estomac. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas à l'avance comment ça va se passer l'entrée. Qu'est-ce qu'il y a dans le bagage? Il faut passer par là. Tu dois montrer ton passeport 3 à 4 fois. Bon, je connais pas les autres aéroports, hein, pour être honnête. Peut-être que je suis pas le bon exemple en termes de voyageurs, mais je parle Mais juste de Tlemcen. encore, l'aéroport, c'est un moindre mal, paraît-il. C'est dans les ports, surtout, que c'est Ah oui, pénible. je suis tout à fait d'accord. J'ai jamais eu cette mauvaise expérience de voyager par bateau. Mes amis l'ont fait, Oui. que ce soit d'Espagne à Almeria-Rezaouat ou de Marseille à Oran. Donc, effectivement, c'est des délais d'attente pour sortir qui dépassent les 5-6 heures. Et ça, je Restez pense que avec nous, c'est Valise. intenable. Restez avec nous, Valise. Nous allons D'accord. accueillir un troisième compatriote qui vit aussi en France. Fadel Harboula, marhaba bek, bienvenue. Merci d'être avec nous.
Fodil. Fodil. Oui, Jamal. Bonjour Fodil, comment allez-vous? Bonjour Jamal et Barakallahu Fik, et merci et bravo pour toutes les émissions que tu fais. Merci, merci. Et bonjour à tous les téléspectateurs, où qu'ils soient en Algérie, ou en France, ou en Angleterre, ou partout où vous êtes. Merci, merci pour tout le monde. Alors Fodil, on parlait avec Mohamed et Fariz des conditions d'accueil des familles émigrées qui vivent à l'étranger, généralement en France, qui rentrent chez elles pour se ressourcer en été, pour retrouver leurs parents, et qui subissent vraiment un accueil. Vous en savez peut-être quelque chose vous-même. Malheureusement, comme tout Algérien qui se respecte ou qui ne se respecte pas, malheureusement, nous sommes que du bétail. Que du bétail, tout simplement. Je pense que moi, pour moi, c'est tellement facile pour essayer d'arrêter tout ça. C'est au lieu qu'on en parle, il faut qu'on soit actif tout simplement. Il faut qu'on aille devant les responsables et dire stop. Mais malheureusement, on revient tout le temps, tous les étés, à chaque fois, à chaque occasion, et on pleure. Mais bien sûr, c'est aujourd'hui c'est pire qu'hier, et demain c'est encore pire qu'aujourd'hui. Oui. Donc. Oui. Oui. Malheureusement. C'est l'humiliation à chaque fois, donc. Maintenant, c'est connu, c'est très connu, c'est même entériné dans la tête de celui qui voyage, de celui qui... tout le monde subit de toute façon, tous ceux qui attendent, etc. On a vu comment ça s'est passé l'année dernière. Oui. Et aujourd'hui, cette fois-ci, c'est pareil. Là, tout ça pour dire que si nous ne changeons pas de système, oui. Radicalement, mais tout ça, c'est des petites choses dans n'importe quel domaine. De toute façon, c'est comme si, il n'y a pas un secteur dans lequel on peut dire, voilà, ça marche. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça partout, dans tous les secteurs. Ça ne peut pas être différent, c'est normal. Oui, il faudrait... D'autres compagnies, oui. Des compagnies étrangères, on le sait très bien comment ça s'est passé par rapport à c'est l'ancien PDG, ou je crois que c'est l'actuel. Oui. Qui voyage avec dans des compagnies, dans d'autres avions. Eh ben, voilà, ça c'est tout dire. Fodil, merci beaucoup. À une prochaine fois. Je retourne parce que notre émission est très courte. On va être. Fariz, que pensez-vous maintenant du côté dans le pays, les gens qui vont en vacances et les gens qui ne vont pas en vacances, très brièvement, s'il vous plaît, pour que nous puissions. Donner la parole à nos autres... Très bien. Monsieur Jamel, vous savez que les voyages forment la jeunesse. Oui. Et donc ça, c'est un fait. Moi, ce qui me fait très mal au cœur, c'est que de voir une grande partie de la jeunesse algérienne qui ne peut pas se permettre de voyager. Oui. Parce que voyager, en fait, le premier pas vers la connaissance, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire, il faut sortir du pays pour avoir... d'échange culturel, d'échange de vie. C'est comme ça qu'on se rend compte que est-ce que chez nous tout va bien ou pas. C'est comme ça qu'on peut changer les choses en copiant. Il faut faire du copier-coller, c'est tout. Comment ça se passe chez les autres et on refait pareil, bien sûr dans le bon sens. Mais les voyages, effectivement, ça coûte très cher. Avoir 30 000 dinars ou 40 000 dinars par mois pour un citoyen ou pour une famille, c'est quasiment mission impossible, Germain. On sait très bien qui c'est qui peut se permettre ce voyage, on les connaît tous. Oui. S'il y avait du temps, je peux vous raconter une anecdote vraie, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup oui, de temps. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je vais vous dire à la prochaine, Fariz, que je vous retrouverai avec plaisir. Merci beaucoup, c'était un plaisir aussi à moi. Merci. Aussi. Alors, Mohamed Khawani. Ces vacances en Algérie pour les Algériens, est-ce que tout le monde peut se permettre des vacances aujourd'hui? Ne soyons pas dupes. Même ceux qui peuvent se permettre sur un plan matériel ne font pas de vacances. Où est-ce que vous pouvez aller faire des vacances en Algérie? Y a-t-il des infrastructures qui sont réellement prises en charge? Quand on parle de tourisme, on parle d'un anneau qui est inclus dans toute une chaîne.
aussi bien sur le plan de la sécurité, aussi bien sur le plan de l'hygiène, aussi bien sur le plan de la prestation, aussi bien sur le plan du cadre professionnel, de l'agissement, du relationnel, etc. Tout ceci n'est en aucun cas garanti. Mais Moi, je vais attendez, Mohamed. Mohamed, Mohamed. Moi, je sais qu'en été, les plages sont pleines, que les complexes touristiques sont pleins, que les campings sont pleins, qu'il y a des bungalows un peu partout, qu'il y a quand même une grosse partie. Enfin, je ne sais pas au juste, je ne connais pas les statistiques. Il y a beaucoup de gens qui vont en vacances. Oui, les gens n'ont pas le choix. Il faut parler d'une canicule. Les gens, quand on parle d'un tourisme au sens propre du terme, il n'y a pas de délabrement, il y a des activités autour de ça, il y a une sécurité autour de ça, même au sein de ces camps. Est-ce que quelqu'un peut se permettre, par exemple, de rôder à 2 h du matin? Est-ce qu'une femme peut sortir toute seule? Est-ce qu'une jeune fille peut sortir toute seule? Il est quasiment impossible. Au contraire, au risque de se faire agresser, de se faire voler, etc., etc. Et j'irai plus loin que ça. J'irai plus loin que ça en vous disant que il n'y a pas de professionnel du métier. Quand vous allez dans un restaurant, l'hygiène, le manque d'hygiène, il est flagrant. Mais vous n'avez pas de choix. Donc vous allez être obligé de prendre ce qui se présente et ça s'arrête là. Et essayons de voir les infrastructures hôtelières que nous avons. Et pourtant, ce n'est pas les lieux qui manquent. Quand on voit toute la beauté des paysages que nous possédons, et quand je vais vous raconter une petite anecdote qui va tenir une demi-minute. Oui. Cette fois-ci, quand je suis rentré au pays, j'ai été voir Sidi Boumedine, qui a connu des 3 dynasties, les Almoravides, les Almohades et les Ianides. À quelques Et kilomètres de Tlemcen, je rappelle. voyez-moi, le mur. Pour restaurer un mur, ils ont ramené un maçon de pacotille, un mur qui a résisté au siècle, qui n'a pas ré résisté à la bêtise de ces malfrats. Eh bien, c'est avec du ciment, purement et simplement, des fils pendants partout. Ils n'ont même pas pu, pour mettre en valeur tout ce patrimoine qui, en fin de compte, ne n'appartient pas qu'à nous. Il appartient à toutes ces générations qui doivent venir, auxquelles on doit raconter notre histoire. Eh bien, ils en font ce qu'ils veulent. C'est Oui, ça. oui. Il y a une impunité totale. Il n'y a aucun développement autour de ça. Des écoles d'hôtellerie, des contrôles au sens propre du mot. Quand vous voyez, par exemple, qui fréquente ces lieux, c'est les nouveaux bourgeois, Habeshkara, les La Terbiya, la Qraya, on sait, leur tourisme à eux, c'est se saouler la gueule et déranger tout le monde, c'est tout. Mohamed, moi je sais que en Tunisie, les Algériens sont devenus la première clientèle touristique pour les Tunisiens. Et ils se comptent en centaines de milliers. Est-ce que tous ces gens sont des privilégiés? Pas du tout. Ces gens-là, c'est des gens qui peuvent, même la classe moyenne qui peut se permettre, mais qui ne retrouvent pas ce cadre touristique avec toute la sécurité que ça doit garantir, toutes les prestations que ça doit garantir, etc. La Tunisie a plus de traditions touristiques. Le Maroc a plus de traditions touristiques. Ceci prouve d'ailleurs que si nous avons besoin d'expérience, on n'a pas besoin d'aller la chercher très loin. Exactement. Elle est juste à côté. Oui. Quand on voit un site à Tousser, par exemple, en Tunisie, qui ne vaut absolument rien à côté de la beauté des sites existants en Algérie, mais parce qu'il y a des professionnels derrière, eh bien, il est mis en valeur. C'est des postes d'emploi qui sont créés, c'est un chômage qui est endigué, etc., etc., Oui, etc. exactement, exactement. Malheureusement. Oui. Mais sinon, vous-même, cette année, où est-ce que vous pensez passer vos vacances avec votre famille? Eh bien, sincèrement, si je peux avoir l'occasion de ramener mes petits ici à Dubaï, ça serait bien. Sinon, je vais les rejoindre. Au fait, ça devient pour nous, expats, le fait de partager ces moments-là privilégiés avec notre famille, c'est ça nos vacances. Peu importe le lieu. Et on sait que le meilleur lieu, c'est chez soi, parce qu'on s'y sent plus en sécurité que n'importe où ailleurs. Et ces millions d'Algériens qui ne peuvent pas se permettre des vacances, qui sont la majorité des gens, la Et plupart des on se gens pose ne la question. peuvent pas partir en vacances. Vous savez, on se pose la question d'ailleurs que toute cette jeunesse qui est complètement désœuvrée, sans moyens, quand on la voit
se comporter d'une certaine manière au niveau de nos plages, au niveau. Et on se pose la question. Il y a même certains qui osent les appeler les RAIA. Les RAIA ont été créés par ce système. Ni plus ni moins. S'ils avaient trouvé le cadre, eh bien, ils se seraient permis eux aussi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Un jeune, maintenant, il subit toutes les frustrations du monde, que ce soit d'un ordre physique, éducatif, intellectuel, identitaire. Eh bien, vous vous attendez à quoi, en fin de compte? Merci, Mohamed Khawani. En espérant vous revoir bientôt, cette émission arrive maintenant à son terme. Mais avant de vous quitter, pour ceux qui peuvent se permettre de partir en vacances, je recommande vivement d'aller en Tunisie. Passer ses vacances en Tunisie est aujourd'hui un acte militant. Nos frères tunisiens ont besoin. C'est leur première ressource, ne l'oublions pas. Il y a beaucoup de propagande qui est faite autour de l'insécurité qui régnerait en Tunisie. Je vous rassure, il n'en est rien. La Tunisie est restée un très beau pays, un pays fraternel et chaleureux. Je vous recommande vivement d'y aller, ne serait-ce que pour casser cette propagande qui vise à stopper la dynamique libératrice tunisienne et le printemps de jasmin. Merci, salam alaikum, à demain.